nous a pas entendu depuis 4 mois qu'a éclaté l'affaire Weinstein. On avait envie de vous entendre sur la libération de la parole des femmes. Vous m'avez dit non. Puis vous m'avez dit laissez-moi réfléchir. Vous avez réfléchi, puis vous m'avez dit non. Et puis vous m'avez appelé ce matin en me disant en fait j'ai un texte à lire. Le texte il est là. Vous voulez bien nous lire? Écrire un film, écrire une lettre, écrire un SMS, employer des mots et des phrases ne veulent pas dire la même chose pour vous que pour moi. Je réclame le droit de penser mes plaies comme je le veux. Je réclame le droit de coucher avec qui je veux pour le temps d'une nuit sans être une femme facile quand les hommes sont des séducteurs. Je réclame le droit d'avoir du pouvoir dans mon travail sans faire peur aux hommes. Je réclame le droit d'être draguée avec maladresse, insistance et d'appeler cela importunée si je le veux. Je réclame le droit de ne pas être jugée si j'emploie des mots qui n'ont pas la même résonance pour vous. Je réclame qu'on ne juge pas une femme si elle a eu besoin d'écrire un livre sur son histoire de harcèlement sexuel. Je réclame le droit qu'on ne juge pas une femme qui pense qu'on doit se débrouiller seule après un viol. Nous ne sommes pas tous égaux dans la douleur et dans la résilience, et nous n'avons pas la même capacité mentale ou physique de nous remettre de nos traumatismes. Ne jugeons pas une femme qui aime la violence pendant qu'elle fait l'amour. Ne jugeons pas une femme qui ne se remet pas d'une main aux fesses. Ne jugeons pas des femmes intellectuelles qui prennent la parole et bousculent nos mœurs. Par pitié, arrêtons de nous juger les unes des autres. Agressions, tout ça, dont on s'accommode anormalement d'ailleurs, mais
Non, je me suis pas... Non, mais moi, j'ai eu d'autres choses à me remettre. J'avais du pain sur la planche au niveau résilience. Donc, si je me rajoutais les agressions du métro, là, je m'en sortais plus. Il fallait que je gère d'autres urgences. Quoi. Mais vous avez commencé le cinéma, vous étiez très jeune. Les hommes n'ont pas profité de votre jeunesse, de votre fraîcheur? Ben non. Mais peut-être moi, j'en ai profité de ma jeunesse.